du chemin du ciel. Je suis Vivia Yao du Maroc. Vraiment, j'aimerais glorifier le nom du Dieu de Papa Florian pour tous ses merveilles dans ma vie. Pour la santé, pour la grâce qu'il m'accorde. Ce Dieu-là, ça fait maintenant 3 ans et demi que je l'ai connu. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Vraiment, dans le mois de décembre, j'étais malade. J'étais malade, j'avais un problème au niveau de mon sein. Je sentais une douleur au niveau de mon sein. Il n'y avait pas de boule, mais il y avait une douleur vraiment atroce. Ça commençait au début de la semaine. Je me disais que, moi, à chaque fois que j'ai un petit bobo, j'utilise les éléments, je ne pas pour rien, je prends les trucs, puis ça passe. Mais cette fois-ci, quand j'ai commencé, j'ai eu mal au sein. Je bois le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus, ça ne passe pas. Je mets la serviette, ça ne passe pas. Je mets celle dans l'eau, je pose dessus, je bois, ça ne passe pas. Je dis, ah, Dieu n'est pas Florian. On dit, quoi? Cette fois-ci, tu m'as pardonné ou bien quoi? Donc, j'ai commencé à... Et ça, la douleur rentrait au niveau, maintenant dans mon dos. Je sentais la douleur au niveau de mon dos. J'ai commencé même à maigrir. Je dis, ah, cette fois-ci, là, Dieu n'est pas Florian. Tu m'as abandonné ou bien? Donc, j'ai commencé à faire un programme pour aller à l'hôpital, pour aller faire mammographie, pour voir si je n'ai pas, c'est pas un début de cancer. J'ai commencé à avoir peur, tout ça. Donc, le samedi 12 décembre, j'ai dit, bon, le culte en direct, j'ai composé un lait. J'ai déposé devant mon portable, je suivais le culte du chemin du ciel. J'ai dit, Dieu ne peut pas faire rien. Ce culte qui se passe, il y a des anges dedans, des anges, les anges, toi-même tu m'as montré en songe, il y a les anges de guérison dans ce culte-là. Je te pose sur le lait, là, c'est que les anges de la guérison remplissent mon lait. Après le culte, je bois mon lait. Guéris-moi de cette douleur-là. Moi, je veux pas partir à l'hôpital. Guéris-moi. Et j'ai suivi le culte jusqu'à la fin. Puis je vais vous dire, mes frères et sœurs, suivons le culte du début jusqu'à la fin, c'est très important. Et après le culte, j'ai bu mon lait. Je vous dis, mes frères et sœurs, un seul lait que j'ai bu après le culte, la douleur a disparu depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. La douleur a disparu. C'est comme si, quand j'ai bu le lait, c'est comme si la douleur que j'ai sentais, puis j'ai senti une chaleur dans mon corps qui m'avait affaibli, était devenu bizarre là. C'est comme s'ils ont enlevé quelque chose en moi. J'étais devenue comme si je n'avais rien. Je pense que soit 2 jours après, bien 3 jours après, ça va revenir. Rien, rien, rien. Jusqu'aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian, il m'a guéri. Donc, vraiment, j'aimerais lui dire merci pour la guérison qu'il m'a accordée. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi, ce Dieu-là. Il est un Dieu qui ne renie pas. Il est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Puis j'ai fait aussi un songe sur le lait. Le lait qu'on prend, quand on prend au chemin du ciel, moi je ne suis pas au chemin du ciel, mais j'ai fait un songe dans mon songe. C'est comme si j'étais au chemin du ciel et le culte est fini. Quand le culte est fini, les gens se sont mis en rang et tous les gens passaient de tour à tour pour aller prendre un lait. Tu achètes un lait, tu prends et on trouve d'abord maman bénée et après on trouve une femme qui donne le lait. Et après maintenant tu trouves papa Florian. Papa, moi à mon tour, je suis partie, j'avais un petit garçon en main. Et je suis passée, j'ai pris un lait. J'ai pris un lait avec la dame, j'ai dépassé maman bénée et j'ai pris le lait. Et après maintenant, je sortais maintenant, papa Florian avait beaucoup de fruits en main. Quand tu pars, tu prends un lait, papa Florian te donne un fruit. Et moi, à mon tour, papa Florian m'a donné une fraise, une grosse fraise comme ça, comme ananas. Il m'a dit, ma fille, tiens. Et j'ai pris la fraise, j'étais contente, j'étais vraiment dans la joie. Donc, bon, la fraise, moi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, toute personne qui passait, qui prenait le lait, papa Florian donnait un fruit, un fruit, un fruit. Donc, vraiment, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, le lait du chemin du ciel, quand on va suivre le culte, à la fin, le lait qu'on prend là, il y a Dieu dedans, c'est pas sain. C'est même pas sain. Donc, même nous qui sommes ici à la diaspora, quand on suit le culte, on
on doit composer un lait et après le culte, on doit prendre un lait. C'est comme si nous sommes au chemin du ciel. Et pour suivre le culte, mes frères et sœurs, concentrons-nous, suivons le culte en plein, en suivant le culte du début jusqu'à la fin. Faisons comme si nous sommes partis à l'église. Parce que nous qui sommes à la diaspora, nous sommes trop distants pour suivre le culte. Quelqu'un va t'appeler si c'est. Suivons le culte comme si nous sommes partis à l'église. Donc vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Merci au Dieu de Bafourin pour tous ces merveilles de ma vie.